On y retourne. On le voit pas donner le micro pour qu'il soit plus large au début. Et je pense les gars, tant que la caméra elle est pas un peu retournée, attendez seulement quand elle commence, là vous y allez. La caméra monte, donc toi t'arrives dans le sens. Ouais. T'arrives comme ça, t'es vénère, là tu dis stop. Tu vois. Ouais, tu peux mettre ta patte après. Tu veux rajouter un pont. Oui, tu peux. La caméra revient sur toi, t'es dégoûté. Et là tu jetteras juste un regard à ton gars qui sera là-bas au bar. Tu sais qu'il pense consoler, il va te faire un petit cul comme ça, tu vois. Et t'es voilà, dégoûté. Ok, vas-y. Allez. Et voilà. Femme au volant. Trou dans la caravane. Quand il dit avec son fils. Ouais, bah oui, je voulais le. L'enchaîne pas tout de suite. D'accord. Non, le colle pas tout de suite, parce que moi j'ai le temps d'un plan de coupe. Okay. Tu vois, donc t'attends une seconde, même pas tu vois, un temps. Parce que moi j'ai le temps de mettre mon plan de coupe et je vais voir. Okay. Je sais que c'était Philippe Lachaud qui me proposait le film et j'avais même pas envie de dire ce qu'il me proposait, je voulais le découvrir sur le terrain. C'est quelqu'un avec lequel on est sur une plage allongée au soleil, en plein travail. Waouh. On va repasser sur l'arche comme vous êtes. Et que quand tu fermes, tu fais. Ah oui, je m'en rends compte. Genre, c'est excellent. Genre, c'était pas la meilleure cachette. Mais du coup, elles vont faire tout leur dialogue avec toi. Ouais, et moi, là. Et moi, et toi, comme ça. Tu dis bon, mais tu dis quand même, j'ai une chance. Tu sais, elles m'ont pas vu. J'ai une chance, ça se trouve. Si je bouge pas, ça se trouve, elles vont pas me voir. Sauf qu'elles disent bon, bah on va prendre des nouvelles, on va l'appeler. C'est le premier jour de tournage à Cannes. On est très content d'être là, regarde. Il fait beau, viens voir. Tout le monde est content d'être là. Pour l'instant, la scène de la rencontre entre Greg et Nawel. Voilà. Et Greg va être obligé d'aller voir après la fouine pour se faire passer pour un producteur. Fais attention pour pas te faire enlever par la caméra. Voilà. Regarde-moi ce décor magnifique. On a un chef décorateur incroyable. Il n'y avait rien là. Il n'y avait pas de montagne, il n'y avait rien. Lui nous a tout mis. C'est fou, hein. Il n'y avait pas de sable, il n'y avait rien. Vive la vie. Enfin, je me dis Kiki. Parce que je peux pas dire Sissi comme il y a une Greg. Il a l'air comme ça, je sais pas, parce qu'il a une attitude. Moi, les gens qui travaillent, forcément, ils me ressemblent. Donc, ils crient, ils font du bruit. Lui, il est calme, mais le message, il passe. Ils t'ont expliqué les changements? En fait, il y a des petits changements. Il m'explique. C'est pas toi qui me parle, il fait que crier sur moi. Donc, tu crois qu'il glande? Mais en fait, pas du tout. Le mec, il sait tout ce qui se passe, mais il va le passer en douceur. S'il y a un truc qui se passe pas bien, ou un truc pas comme lui, il va laisser les gens faire leur plan. Et derrière, il va leur dire, mais j'aimerais bien l'avoir comme ça. Coupé. En fait, il n'y a pas d'adjectif définissant le bonheur de travailler avec Philippe. Je crois qu'on a tout dit, tu vois, il y a beaucoup d'amour. Voilà, il véhicule. Je pense que tous les gens qui travaillent avec lui sont très heureux, très bien. On est, c'est un vent frais. C'est le vent frais de la comédie du cinéma français, j'ai l'impression. Je t'aime un peu. Je t'aime un peu. Il fait en sorte en fait que son plateau respire son état d'esprit, la bonne humeur. Jamais il tire la gueule, jamais il vient toujours avec le smile. C'est un mec qui est cool quoi. Il y a quelque chose d'impalpable qui fait qu'on se sent bien avec les gens tout de suite. Voilà. Et avec Philippe, ça se passe comme ça. On ressent le talent, on ressent la simplicité, on ressent quelqu'un qui travaille avec passion. Ok. Bon. Quelle scène absurde. Ça y est, dernier jour de tournage. Déjà nostalgique, déjà triste. Et voilà, on finit à Paris avec la séquence où Greg va offrir des fleurs à Flo. C'est pas beau ça. Voilà, on va finir là-dessus. C'était une aventure incroyable. Franchement, je suis déjà triste que ça se finisse. Vivement le prochain. C'est coupé. C'est cool. Vachement bien. Ouais, ça a été. J'aime tout ce qu'on a.